Il y a la famille Bertrand avec ses quatre enfants qui s'amusent aux Indiens tous les dimanches matins. Ils s'en vont travailler tous les jours à 7 heures en faisant bien claquer les portes de l'ascenseur. Et puis il y a Madame Paula qui sent le pipi de chat, toujours en bigoudi et en chemise de nuit. Elle fait ses commissions tous les jours à 9 heures. Et puis, il y a cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle est partie comme ça, emportant ses valises, abandonnant son chat. Monsieur Julien, on s'en demande bien quand il va travailler, tellement il est bronzé. Lui fait son jogging tous les jours à 9 heures avec son petit training et ses caleçons à fleurs. Puis il y a monsieur André qu'on appelle Dédé, qui a été prisonnier à la guerre de Corée. Il joue de la trompette tous les jours à 10 heures. Cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle ne reviendra pas, qu'elle habite Venise ou alors Calcutta. Simone, une petite bonne qui reçoit ses julots à l'heure de l'apéro. Elle qui ne fait rien, qui fait même pas son âge, qu'un poil dans la main et que c'est bien dommage. Il y a monsieur Léon avec ses pétitions pour sauver les cafards, les blattes et les homards, qui vient me déranger tous les jours à midi. Et puis il y a cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle n'existe pas, mais eux, ils ne savent pas que lorsque la nuit vient, j'ouvre la porte close. Dans ma robe fendue, je deviens Marie-Rose.